Ouais, ça, je suis vraiment très triste. Ouais, je suis très triste quand je vois le zénith. Quand je vois le zénith, c'est tellement beau par ici. Waouh, c'est tellement beau. Il y a d'ailleurs même des Camerounais. Il y a d'ailleurs des Camerounais que je vois de l'autre côté. Il y a des Camerounais que je vois qui sont là en repérage. Ils sont nombreux qui viennent pour la première fois ici au zénith. Ça va chauffer ce soir. Donc, je vais commencer par poser une question. Une question très simple. Brenda Bia. Ouais, quand c'est beau comme ça, est-ce que ce n'est pas bien? Pourquoi ton père nous fait ça? Pourquoi ton père nous fait ça? Pourquoi ton père nous fait ça? Il faut regarder, apprécier. Pourquoi ton père nous fait ça? 40 ans de règne sans partage. 40 ans de règne sans partage. Et même une salle comme celle-ci, on n'a pas dans Yaoundé. Même une salle comme celle-ci, on n'a pas dans Yaoundé. Oh! Ouais, si tu veux passer, attends. Même une salle comme celle-ci, je dis bien. 40 ans de règne sans partage, Brenda Bia. Même une salle comme celle-ci, ton père n'a pas cru bon. Allez, là, je dois d'abord inverser. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça dérange. Ton père n'a pas cru bon de nous offrir. Tiens, en live là. Ben oui, qu'est-ce que tu crois? Ton père n'a pas cru bon de nous offrir une pareille salle. Allez, ça, c'est la très célèbre Aïssatou Bouba Dalil qui ne mâche pas ses mots, il faut le dire. C'est toujours un plaisir de la rencontrer. Bonjour. Donc, vous passez là le bonjour. Bonjour, bonjour. On Aïssatou est Bouba venu en Dalil, vous saluez. repérage, hein, Repérage, avant que ça repérage. commence à Et chauffer. comment tu vas, comment tu vas? Ça va, Donc, vous voyez, ils sont tous là, ils sont nombreux, ils viennent là en repérage. Donc, Brenda Bia, ma question est encore la suivante. Tu vois, toi, tu peux voir l'édifice. Et je vais te faire voir. Je sais que tu connais déjà, mais il faut que tout le monde voit que tu as vu. Je vais te faire voir à quoi ça ressemble un peu partout ici. Tu connais le système, tu connais comment ça fonctionne. Il faut voir comment c'est beau. Ils ont réservé ici des hectares. Ils ont réservé ici des hectares. Des hectares pour des édifices. Pour des édifices comme ceux-ci. Ils ont réservé des hectares pour le spectacle. Je dis pour le spectacle, ça c'est le zénith. Ça c'est le zénith. Mais moi je vais un peu faire un tour dans le coin et vous allez apprécier. Brenda Bia, tu le sais pertinemment. Ah salut, voilà. Donc vous serez ce soir là au concert. C'est quoi? Le général Valsero, l'un des plus grands chanteurs africains et du Cameroun, il sera Depuis le présent. Cameroun? Voilà, du Cameroun, il sera présent. Si ça vous gêne pas de passer dans la vidéo, hein? Ah oui, allez, voilà, ça. Voilà, ça, ce serait un concert exceptionnel, un concert qui va rassembler le peuple camerounais. 7 000 personnes dans cette place, c'est historique. Voilà, c'est historique vraiment. Voilà, voilà, ça, je vous en prie. Donc, Brenda Bia, il faut voir à quoi ça ressemble. Il faut voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est des hectares, c'est quelques hectares réservés au spectacle. Pourquoi ton père nous fait ça? Pourquoi ton père nous fait ça? Pourquoi ton père nous fait ça? Ça, c'est ma question. 40 ans de pouvoir sans partage. On demande à ton père que laisse quelqu'un d'autre travailler. On demande à ton père, laisse quelqu'un d'autre travailler, ça t'a dépassé. En 40 ans de pouvoir, Yaoundé. Yaoundé reste une ville poussière. 40 ans de pouvoir sans partage, Yaoundé reste une ville poussière. Jusqu'au point où un certain quartier de Yaoundé, Colmé 5, soit devenu le quartier le plus célèbre de Yaoundé. Colmé 5 est devenu le quartier le plus célèbre de Yaoundé, Brenda Bia. Toi, tu vis dans ton petit paradis. Mais les autres Camerounais, c'est comment? Je m'adresse à toi, Brenda Bia, particulièrement parce que je t'ai vu faire une publication pour encourager le frère Valsero, le compatriote Valsero, le général Valsero. J'ai trouvé bien. Je constate simplement que tu sembles être le seul membre de ta famille à faire parfois preuve d'humanisme. Raison pour laquelle je te fais voir ceci. Oui, tu avais par le passé, même lors du. Lorsque le Covid-19 commençait, en force, fait une vidéo pour demander à tes followers, aux Camerounais de se laver les mains, ce que j'avais trouvé correct également.
Mais là, il faut que tu vois un peu dans quelle merde notre père, ton père, que je dis, ton père, dans quelle merde ton père nous a foutu. Et les prisonniers politiques sont nombreux parce que ces prisonniers ont juste demandé qu'ils veulent un meilleur Cameroun. Ils veulent l'arrêt de la guerre dans le Nozo. Mais on les arrête, on les torture, on les assassine. Voilà tout ce qu'on demande. C'était tout ce qu'on demandait. Mais ton père, il passe le temps à l'hôtel intercontinental en 40 ans. Il n'a jamais pensé qu'il pouvait construire. Voilà. Donc, il faut voir déjà le sol. À Yaoundé, on ne trouvera pas ça. Nulle part au Cameroun. Moi, le sol, j'apprécie même le sol. Brenda Biata, tu connais Mbengue. Tu connais Mbengue mieux que nous tous. Tantôt, tu es aux États-Unis, tantôt, tu es en Suisse. Tu es... Voilà, ça, c'est le sol. Hein. Ça, ce n'est que le sol. On apprécie le sol. J'apprécie le sol parce qu'il faut tout apprécier. Ça, le zénith, il est là derrière. On va apprécier un peu tout ce qu'on va voir ici. On va apprécier cela. Et Brenda Bia, je pense que tu dois avoir l'honnêteté quand même de dire que ton père nous a foutu dans la merde. Ton père nous a foutu dans la merde. Il a réalisé le hold-up électoral. Il a réalisé le hold-up électoral de 2018. Est-ce qu'il travaille alors? Non, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Voilà le conseil d'un fils du Cameroun de Jean Valsero, s'est mis place au zénith. Est-ce qu'il a même dénié, encouragé ce fils du Cameroun? Parce que là, ça il faut le dire, 7000 personnes remplies cette salle-là, 7000 personnes au zénith, c'est pas n'importe qui le fait. Il fait partie des rares Africains à l'avoir réalisé. Je dis bien des rares, je ne sais pas si un autre Africain l'avait réalisé. Peut-être, je ne sais pas, peut-être on va prendre l'artiste... Congolais, Fali, peut-être il a eu à le faire, mais il faut le dire clairement, il faut le dire clairement, Valsero c'est pour le Cameroun aujourd'hui le numéro 1, il est au niveau des Richard Bona et autres. C'est impressionnant et c'est un concert qui va rassembler au maximum des Camerounais. C'est impressionnant, mais ton père qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes dans le secteur. Brenda Bia, tu dois apprécier. Voilà, il y a un édifice là. Il faut apprécier le secteur. Il faut apprécier. Il faut voir à quel point c'est beau. Ça, ce sont des hectares. Des hectares qui sont dédiés à la construction d'édifices. Le peuple peut venir. Il peut y avoir des concerts. Il peut y avoir des... Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Nous, on peut se plaindre. On se plaint des Français. Et ils pillent l'Afrique. Mais... Finalement, au moins, ils pillent l'Afrique et ils font quelque chose de cela. Ton père prend les crédits. Il prend les crédits au FMI. Il prend les crédits aux Chinois. Il prend les crédits partout. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces crédits? Voilà que le stade qui était censé porter son nom. Le stade Olembe, il disait que c'était le stade Poulbia. Le stade là, jusqu'aujourd'hui. Ça, il faut qu'on entre là parce que cet édifice-là, il faut que les Camerounais le voient. Jusqu'aujourd'hui, le stade Olembe n'est jamais terminé. Le stade le plus cher du monde est le stade qui, depuis plus de 10 ans, n'est jamais terminé. Brenda Bia, que fait ton père qui est en fait, il est le président de fait de la République du Cameroun. Que fait-il? C'est quoi son rôle? Ton père vit visiblement à Etoudi. Etoudi n'est pas loin d'Olembe. Depuis que ce stade-là n'est jamais terminé, ton père a-t-il fait un jour une descente sur le terrain? Mais il a donc volé les élections, pourquoi? Pourquoi est-ce que ton père a volé les élections? Pourquoi a-t-il fait un hold-up électoral si ce n'est pas pour travailler? Pourquoi a-t-il fait un hold-up électoral si un Camerounais, le général Valsero, peut mobiliser? Oui, peut mobiliser dans une salle, 7000 personnes à Paris. Il n'est pas capable de dire félicitations. Il n'est pas capable de dire je vous félicite. Qu'il n'est pas capable d'encourager un fils du pays. Il n'est pas capable d'encourager un fils du pays. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Mais regardez la beauté des édifices. Mais Brenda, on ne t'apprend rien. Tu connais tout ça. Ça, c'est des choses que tu maîtrises bien. Hein? Ça, c'est des choses que tu maîtrises bien. Mais pourquoi ton père nous fait ça? Pourquoi ton père nous fait ça? Est-ce que les Camerounais n'aimeraient pas? Est-ce que les Camerounais ne veulent pas avoir autant de bonnes choses chez eux? Est-ce que les Camerounais ne veulent pas avoir autant de bonnes choses chez eux? Ça, ce sont des multiples questions. Lorsque je vois des hectares, et bien évidemment, j'aime toujours planter la poubelle. C'est partout, hein.
en Europe, je trouve moins beau la façon de le faire ici en France par rapport à l'Allemagne, évidemment, au niveau des poubelles. Mais voilà, c'est... Ouais, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, les bancs publics, c'est vraiment... tout est fait pour mettre le peuple à l'aise. Tout est fait pour mettre le peuple à l'aise. Mais chez nous, le stade Olembe a besoin de 10 ans. De plus de 10 ans de construction. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore terminé. Donc, personne ne sait si lors de la, entre guillemets, prochaine CAN au Cameroun, si elle a lieu, puisque ton père, Brenda Bia, ton père avait pris l'engagement pour 2019. En 2019, ça n'a pas été possible. Personne ne sait si cette CAN aurait lieu. Et d'ailleurs, est-ce qu'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est les stades? Une Coupe d'Afrique des Nations, ce sont les hôpitaux qui sont autour, ce sont les routes. Mais Brenda Bia, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ton père n'a pas travaillé en 40 ans. Au lieu de construire le pays, il a déconstruit le pays. Il a déconstruit ce que Aïdjo avait laissé. Ton père n'a pas travaillé en 40 ans. Mais pourquoi il nous fait ça? Il n'a pas travaillé 40 ans, il faut le dire clairement, de déconstruction du pays au lieu de construire. Il a déconstruit le pays. Ton père a déconstruit le pays à tous les niveaux. Il a divisé les Camerounais en nationalisant le tribalisme d'État. Il a divisé les Camerounais. Au lieu de travailler, c'était ça son travail, diviser, déconstruire. Voilà, donc un travail dans le sens purement et simplement négatif. Regardez à quel point l'édifice il est beau. Hein. Je ne vais pas aller, je ne vais pas monter, je vais plutôt rester un peu plus bas afin que les uns et les autres puissent apprécier la qualité de l'édifice. Je pense que c'est préférable. Essayez d'apprécier. Nous avons là apprécié un peu de tous les côtés. Apprécier un peu de tous les côtés. Ça, je vous dis, ils ont réservé des hectares. Voilà un autre édifice là de l'autre côté. J'aurais dû peut-être sortir. Ils ont réservé des hectares. Des hectares.